Salut mes chers abonnés, c'est MrGain38 aujourd'hui, on se retrouve derrière ma collection de Versus Viking. Ma dernière vidéo remontait à 2 ans et 1 an pour la collection et présentation de Steelbook de Mortal Kombat. Alors, tout au long de mes vidéos compte rendu achat, vous avez vu des Versus Viking passer. Dans les vidéos il y a 2 ans, je vous ai toujours dit que je voulais faire une spéciale Versus Viking tous les 10 jeux. Mais des fois c'est pas possible, des fois c'est possible. Et là au bout du compte j'en ai réuni une trentaine de jeux que j'ai présentés tout au long des vidéos. Il y en a qui vont voir les jeux, il y en a qui vont découvrir les jeux. Je vais essayer de vous en parler, les jeux que j'ai joués, les jeux que j'ai pas joués. Bonne vidéo, préparez un café. Je pense que la vidéo va durer à peu près 20 minutes, je pense. Ou je vais essayer un peu avant, ou un peu plus court, je sais pas. Alors déjà on va commencer par tout ça. Alors j'avais rentré pendant il y a quelques mois, j'avais rentré le Dead Gem sur PSP que j'ai toujours pas ouvert. Vous vous rappelez, j'ai toujours le prix de 12€ que j'avais acheté en Vigonier Geek. Alors comme je vous avais expliqué, c'est un jeu de sport de rue qui mélange plusieurs sports. Il y a un mode scénario et il y a 5 styles de combat ultra violents et on affronte des stars du hip-hop américain de la licence des Jam, comme c'est un label de musique américaine. Ensuite, j'avais rentré le Spectral VS Génération. Alors celui-là, j'avais eu un litige avec Amazon, si vous vous rappelez. Alors le jeu, celui-là j'y ai testé. Alors, graphiquement, il est joli pour de la PS2. Ce n'est pas le meilleur. Sur PS2, il y en a des meilleurs de jeux. Le chara-design des personnages sont très très bien. Ça fait repenser un peu du Soul Calibur. Il y a des coups puissants, des supers, tout ça. Franchement, faites-le en émulateur. Vous ne serez pas déçus. Les jeux Midas, souvent, on est déçus. Mais là, non, franchement, ça casse pas la patte d'un canard, mais ça se teste. Ensuite, j'avais rentré le... Je crois qu'il y a un East 3 sur PS2, ouais. Il manque le Minification, et là, j'ai rentré le Armageddon. J'avais rentré pour 8€ en cash, et celui-là, je l'ai toujours pas testé. Je vous dis la vérité, je l'ai pas testé, et je vais pas vous en parler plus. Après, moi, j'ai joué beaucoup d'Ili Alliance sur PS2. Franchement, les Mortal Kombat sur PS2, c'est pas du tout... C'est pas les meilleurs. Voilà. Après envie de grenier, mon fils m'avait rentré le Tekken 4 avec les deux CD dedans. Il y a un DVD bonus plus le jeu. Et moi, je possédais la version qu'avec le jeu, le fameux Tekken 4. Voilà. Franchement, le classique sur PS2. Tout le monde a joué au Tekken 4. Ensuite, j'avais rentré le Dead or Alive 5 Ultimate de chez Tecmo. Alors il était à 15€ et après je l'ai payé 4€. Toujours pas testé. Bon, je connais la licence des Dead or Alive. Le but du jeu c'est vraiment de contrer les coups. Les parades sont vraiment essentielles dans le combat. C'est plus efficace que dans les autres jeux de Versus Viking, dans les autres licences. Mais voilà, franchement, il y a en perso bonus, il y a Akira, Sarah, Pai et Jackie de la série Virtua. Voilà, franchement, c'est très bon, Dead or Alive. Après, j'avais rentré, grâce à Discovery Game, j'avais rentré le Dead or Alive Ultimate avec les deux premiers Dead or Alive qui étaient sortis sur PS1. Et franchement... à l'époque j'avais pas testé sur PS1 le tout premier Dead or Alive, mais franchement ouais, ça passe, c'est un peu graphique sous bled un peu, mais franchement voilà, et je pense que c'est une compile qui va se rarifier avec le temps, surtout complet, un RPG. Ensuite j'avais rentré le Dead or Alive 3, j'ai pu les tester grâce à ma Xbox 360 que j'avais rentré au début de l'année. C'était un cadeau d'un patient que je m'occupe et j'avais pu tester les deux des Dead or Alive que j'avais toujours pas de Xbox première génération.
Ensuite, cette pile. Alors, j'avais rentré en VG la compil de Naruto. J'ai testé un peu. J'ai pas accroché. Franchement, j'ai pas du tout accroché. Je suis plutôt des BZ en manga, mais là, celui-là, en jeu plutôt. Non, j'ai pas accroché. Mais je vais quand même le garder. J'avais payé 5€, je crois. Après, j'avais rentré le steelbook de Naruto, qui est magnifique. Avec son fourreau. Je vais vous sortir le fourreau. Hop, là-bas. Alors, il y a Sasuke et Naruto. Franchement, vraiment magnifique. Et c'est vraiment un steelbook. Ensuite, j'avais rentré le coffre Neo Wave que j'ai toujours pas testé. C'est de la 2D hein, classique. Je sais même pas si c'est pas un portage sur Neo Geo, je sais plus. Bon, vous me direz en commentaire. Ensuite, j'avais rentré le CSZ KO grâce à mon poteau Benoît. Franchement, j'ai pas encore testé, j'ai pas eu le temps. Mais franchement, il me l'a super bien vendu. Il m'a dit que c'était un super jeu et c'est vrai. Après, j'ai regardé des gameplays, j'ai pas joué, mais j'ai quand même regardé des gameplays. Et surtout, quand on a Mai et Shunni ensemble, il n'y a rien à dire de plus. Après, j'avais rentré le Capcom VS5K2. Ça, je sais pas si je l'avais déjà présenté dans une vidéo précédente, parce que 2 ans c'est long. Voilà, excellent jeu, excellent portage. Après, j'avais rentré le Battle Fantasia. Celui-là, j'ai testé 2-3 heures, je crois, avec qui ressemble un peu un peu du RPG, mais bon, c'est vraiment du Versus. Je pense que c'est un peu le concurrent de Grand Blue Fantasy qui est sorti il y a 2 ans, je crois. Voilà, franchement, c'est un jeu par System Work, les papas de Guilty Gear, par exemple. Ouais, c'est bien, mais pas assez fun pour moi. Ensuite, j'avais rentré le gros collecteur de ce Calibur 5 à Gamecash sur 360. Je l'avais eu pas très cher, mais avec mes points VIP que j'avais sur la carte. Franchement, un excellent opus. Bon, c'est pas le meilleur pour moi, ça restera le premier sur Dreamcast, mais celui-là, il est vraiment pas mal. On va faire une petite pause. Voilà, je reviens, j'ai répondu au téléphone. Alors, je vais vous présenter une dernière pile. Qui va se compter du DBZ, du Marvel, du Mortal Kombat et puis ainsi de suite. Alors j'avais rentré le Dragon Ball Burst Limit, je l'avais rentré en vide-grenier celui-là. J'ai pas testé encore. Vous voyez avec tous les versus tracking et puis on plane qu'il fallait charger, je peux pas tout tester. Mais franchement voilà, je sais qu'il faut que je me rentre le 2. Ensuite j'avais rentré grâce à une annonce Marketplace, j'avais rentré le Dragon Ball Xenoverse, le premier, il y a le deuxième, toujours pas testé aussi. Je sais qu'il faut créer son personnage pour avancer dans l'aventure, un peu comme Naruto. Ensuite, j'avais rentré le Fighter Z. Celui-là, il est excellent. J'ai joué peut-être 2-3 heures, pas plus. Mais franchement, les combats 3 contre 3 avec des assists, des combos de malade, franchement, c'est vraiment le Dragon Ball des dernières années, franchement, ça a bien rattrapé la licence, surtout fait par Arc System Work. Voilà, franchement, c'est la base, ce DBZ-là. Ce Dragon Ball, plutôt. Après, j'avais rentré l'ancien, un DBZ sur Saturn. J'y ai testé. Franchement, le graphique, le roster, tout vraiment simple. C'est l'Arc DB. Avec les trois méchants bunartiques, j'ai joué vraiment très très lent. Les coups se sortent, mais très compliqués. J'ai pas vraiment accroché, mais c'est vraiment une pièce de ma collection versus Fighting et surtout de DBZ. Après, j'avais rentré le Tekken 7 qui s'est vendu à 8 millions d'exemplaires dans le monde. Il va avoir la version définitive qui va bientôt sortir. Franchement, voilà, Tekken 7, il n'y a rien à dire. Notre perso avec mon fils, c'est Bob. On l'a monté, je ne sais plus au combien d'années on a joué. Je crois qu'on a eu 9 heures de jeu dessus, mais franchement, un super Tekken 7. Après, j'avais rentré le pack des 3 versus Fighting sur la PS3, le Tekken 6, le Soul Calibur 5 et le Tekken Tag Tournament, des classiques sur la PS3. Il n'y a rien à dire. Faites tout ça. Et j'avais rentré
pour les mondes des pigeons, le Street Fighter 5 Champion Edition avec tous les DLC qui sont sortis, sauf les derniers persos qu'il faut acheter. Dont il y en a un qui ressemble à Steve qui est sorti, le boxeur. Et puis, bon, ça se casse la gueule. Alors, la dernière pile. Alors, j'avais rentré le Mortal Kombat 11, l'ultimate version avec tous les personnages. Rambo, Terminator, Robocop et ainsi de suite. Excellent Mortal Kombat 11, mais j'ai ma petite préférence pour le 10. Après, j'avais rentré le Marvel Infinite, le quatrième, un des plus mauvais Marvel vs Capcom. Franchement, le Steelbook, je cherchais, là j'ai trouvé à 15€, j'étais vraiment content. Après, j'avais rentré le Samurai Shodown, le dernier. Franchement, j'ai joué, je crois, 5-6 heures. Graphiquement, c'est beau. Ça ressemble beaucoup à du Street Fighter 5. Mais voilà, combat à l'arme blanche, très sanglant. Mais vraiment agréable à jouer. Mais j'ai pas fait beaucoup. J'ai pas approfondi. Et mon perso au Ramu, c'est nickel. Puis j'avais rentré le coffre. Il y a un nouveau coffre qui arrive. Et j'avais pris celui-là, je ne sais plus à combien, le Steelbook. Franchement, une super version. Et puis, j'avais rentré, grâce à Découvry Game, le coffre. Franchement, je suis vraiment content. Maintenant, cette version, je la vois pratiquement plus. Il y a une jaquette réversible plutôt. Attendez. Regardez, vous voyez à l'arrière. Voilà. Avec les deux CD. Nickel. Merci encore. Merci Discovery, le C. Avec un poster de My Sexy, Sexy Lady. Yeah, nanana. Ouh. Bon, allez, on va arrêter tant le foufou. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'ai pas pu tout vous présenter les jeux en détail parce que ça serait trop long. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le commentaire, l'abonnement à la cloche et suivez mon onglet communauté, je mets des trucs. Et bientôt, je participe à une chaîne YouTube. Ça, je vous en dis pas plus. Tenez-vous au courant. Allez, je vous dis bis. À plus, les amis.